Il y a quelques mois, Amandine Pélissard avait révélé être sous traitement, conséquence de ses anciennes addictions. Je suis sous traitement méthadone depuis ma jeune vie d'adulte. J'ai réussi à intégrer que c'était un traitement comme une personne diabétique par exemple. Il s'agit d'un traitement quotidien dont j'aurai sans doute besoin toute la vie. Ce n'est pas grand-chose mais tous les jours, ça me rappelle mes erreurs. Si est-il un boulet que je traînerai toujours. Il faut déjà identifier le problème de base, pourquoi on en vient à consommer, et pourquoi on consomme en plus de cette façon. Bien sûr, les fréquentations y sont pour beaucoup. Si, à un moment, vous flanchez et que si est une personne un peu malveillante qui vous prend sous son aile, si est foutu, avait-elle expliqué. Mais voilà que sa 9e grossesse vient augmenter les craintes d'Amandine Pélissard concernant ce traitement. Je touche du bois vraiment, je remercie Dieu, ça ne m'est jamais arrivé, aucun de mes enfants n'a fait de syndrome de sevrage. Mais si est-il toujours compliqué de vivre une grossesse sereine avec ce poids sur les épaules, des conneries que tu as faites entre 17 et 19 ans. Point Amandine Pélissard se confie sur ses craintes. En plus de cette crainte, la femme d'Alexandre Pélissard souffre de problèmes liés à sa grossesse. Je trouve que j'ai déjà de gros problèmes au niveau des jambes. J'ai les chevilles qui sont toutes gonflées. Ce matin, je me suis rendu compte que je ne voyais plus du tout les os des chevilles, l'os intérieur et l'os extérieur, a-t-elle expliqué. Si est-il tout gonflé et si est-il hyper douloureux. Point. Sachant que je ne suis qu'à 3 mois et demi, on verra. En général, ça commence à me déranger les veines vers 5-6 mois. La sieste un peu tôt, surtout avec l'été qui arrive. Times through the rough times I